6-7, 6-4, 6-2, même si c'était sur surface rapide. Alors que la première victoire, c'était à Saint-Polten-Land il y a 2 ans, juste avant Roland-Garros. Et, qu'on raccourcit un petit peu. Herbati, regardez sa position. Il est déjà très avancé dans le cours. Regardez ça. Il était là aux actes. Pour l'instant, c'est un peu le scénario inverse, Patrick. C'est au moment de déclencher ce coup. Elle est bonne. Annoncée sur la ligne. C'est important ce point puisqu'il permet à Yevgeny qui a fait le niveau. Une petite de... Ah, il se fait plaisir, hein. Oui, sur la ligne. Il revient. Voilà, il n'a pas craqué au moment de conclure cette première manche. Dominic Herbati s'impose en 45 minutes. Il n'a pas trouvé la solution tactique pour l'instant pour contrer Herbati qui joue très bien. Ouais, sur un petit nuage en ce moment. Et ça continue. Qui surprend, qui joue à la Kafelnikov. Deuxième balle, Kafelnikov sous pression.
Oh là là, quel retour! Ah, c'est superbe! C'est superbe car Kafel avait remarquablement. Amélie Mauresmo et Martine Hingis prévues juste après la rencontre entre Clément et Agassi sur ce tour central. Et Herbati, 1 heure et 3 minutes. Oh là 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 là. Herbati. Au début, elle nous avait épargné ce genre de d'incident sur le cours. Oh oui. Là, là, elle est bonne. Son service Kafel, même pour préserver le début du troisième set. Parce que si il lâche son service. Là, c'est Herbati qui démarrera sur son service. Et oui. Là, la réussite, et comme toujours, la réussite avantage chez lui. Et double faute. Deuxième manche, Herbati. Et la sixième double faute de Yevgeny Kafelnikov qui permet à Dominique Herbati de prendre le service de Kafelnikov et surtout de mener. Sur le circuit, joueur de 24 ans. Ouais, et l'attitude de Sampras hier était un modèle pour Yevgeny Kafelnikov aujourd'hui, qui est en plein doute. Le juge de ligne pensait peut-être qu'il c'était une de plus. Voilà, le revers coupé, on n'en avait pas vu depuis longtemps. Ça change le rythme. Mais alors là, c'est du... La diagonale. Une balle de 2-0 pour Herbati. Ça prend un risque, Dominique. Il est avancé dans le terrain. Et oui, et oui. Voilà, formidable gagnant qui permet à Herbati de se dé... C'est une réussite insolente. Oh là 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 là, oh c'est trop. Oh c'est trop. Ça a l'air sur les autres cours que... Et la journée va être encore très longue. Et on a joué au-delà de 21h sur certains cours. Voilà. Point, il a laissé échapper un coup droit un peu flottant. Ouais. Service à l'origine de cet échange, pleine ligne. Ça faisait longtemps. 35. Vous voyez, la rotation est trop rapide.
Voilà, une bonne première balle, c'est la première fois. Deux balles de 5-3 encore dans la raquette d'Herbati. Oh là là, oui, comme à la parade, il l'attendait. On a l'impression que il sent. Superbe coup en avançant, en profitant de cette fébrilité. Première balle. Il ne fait que remettre. Kafel, il s'applique. Il craque. Kafel a craqué. Dans la partie, Dominique Herbati, 30e joueur mondial, opposé au numéro 1. Oneis qui arrive au bon moment là. Et voilà, c'est terminé. Quel exploit et quelle partie de Dominique Herbati qui sort le numéro 1 mondial, le vainqueur de l'édition 96, Yevgeny Kafelnikov, en 1h47. Un grand, très grand match. Il n'a pas cédé, Dominique Herbati, même s'il a eu une petite baisse de régime sur la fin. Et il élimine un Yevgeny Kafelnikov bien pâle aujourd'hui et qui paye, Patrice, sa mauvaise...